Bienvenue à la terrasse de l'Hippodrome. Nous sommes le 29 juin. C'est la finale de l'Euro 2008. Aujourd'hui, l'Allemagne affronte l'Espagne. Et grâce à Belgacom TV, on va pouvoir suivre le match en HD, High Definition. Buenas noches. ¿Qué tal? Vous tenez pour l'Espagne? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Coño, ¿quién va a ganar? España. ¡Viva España! Oui, normalement, je pense Podolski de goal. Ça fait 44 ans que l'Espagne n'a pas gagné. Donc ce soir, je pense qu'ils sont surmotivés. Pas de Raoul, mais surmotivés. Vous suivez pas le match? Non. Alors pourquoi vous êtes là alors? On attend des copines qui suivent elles le match, mais nous on n'est pas trop, je suis pas trop fan quoi. Et vous tenez pour qui? On va dire l'Espagne. Non, je sais pas. Non. Allemagne? Non, ouais, Allemagne. Non, Espagne. Espagne. Pour la HD, vous connaissez ça? C'est la HD, bien sûr. C'est ça, ça veut dire quoi? C'est résolution d'image de 1920 sur 1080. On est dedans en fait. Ils viennent de marquer un goal là, les Espagnols. Ouais, mais c'était favori aussi, hein. Donc voilà, donc, mais c'est eux qui vont gagner de toute façon quoi. Ça commence bien déjà. Très bonne ambiance, nickel. Germany is not very good, hein, tonight. Well, you see, they're gonna come back and they're gonna win the game. It's just a question of time. You see. Ça se passe toujours bien, les gens sont toujours au rendez-vous comme aujourd'hui. Ouais, en plus on a le temps avec nous, donc c'est nickel quoi. Donc vraiment terrible. On attend combien de personnes ce soir? Oh, 2000 personnes à peu près quoi. Comment ça s'est passé depuis que Sophie est venue te dire bonjour? Ben ça s'est très bien passé, ça fait 3 semaines qu'on est ouvert maintenant, on a été gâtés avec le temps, la terrasse est remplie, les bouteilles sont sur les tables, les gens sont contents. On a retransmis principalement pour l'instant la Coupe d'Europe avec la finale ce soir et il y a différentes choses qui vont être programmées pour le reste de la saison. Sorti champagne avant l'heure? Bah évidemment parce qu'on sent qu'ils vont gagner forcément ce soir. Et donc on prépare le coup. Ah mais faut jamais dire ça à l'avance, on peut pas. On est certain, on est pour l'Espagne depuis le début et ils sont en finale, c'est merveilleux. On va sauter dans la piscine. Macho, non, non. España campeones. Oui. Oui, je vais sauter dans la piscine. Espagne champion. Vas-y, on te regarde. L'Espagne est l'équipe méritante de tout l'Euro. Après un Euro sans défaite, c'était l'équipe qui devait gagner. Chapeau. Viva España! La 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 la. Alors, vous êtes heureuse? Ah oui. Campeones, campeones. Allemagne ou Espagne? Allemagne. Elle est allemande. Mais je trouve que je suis une bonne perdante. Bonne perdante? Oui, oui, parce que les meilleurs gagnent, donc. Tu es pour l'Allemagne ou l'Espagne? L'Espagne, bien sûr. Je suis triste. Comment on dit, Schneiss? Non. Pourquoi t'as pas été dans la piscine comme tout le monde? Ah, parce que moi, j'ai pas envie d'aller dans la piscine, c'est pas assez profond. Qu'est-ce que ça fait de regarder un match quand on gagne en HD? C'est hyper bien. Ça fait du bien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le score c'est 1-0 pour les Espagnols qui deviennent donc champions d'Europe 2008. L'ambiance ici à la terrasse de l'Hippodrome c'était génial. Si vous voulez la retrouver, c'est ouvert tous les jours de midi à minuit jusqu'au 21 juillet. Salut.